6 bis, des amendements identiques. Madame Louwagie, le 51, 6 bis A. Oui, merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui vous propose de supprimer un article qui a été introduit au Sénat, qui modifie les conditions d'obtention du label Librairie indépendante de France. Et l'article qui a été adopté au Sénat conduit à ouvrir ce dispositif aux grandes enseignes, aux entreprises, aux librairies qui réalisent plus de 50 millions de chiffres d'affaires et qui ne sont pas indépendantes, et intègre également les ventes autres que le livre neuf au détail. Donc l'objet, c'est de maintenir ce dispositif pour les librairies indépendantes, parce que c'est véritablement une distinction, un label qui leur permet de se distinguer et qui permet à ces librairies d'avoir une reconnaissance, une différence par rapport aux grands groupes. Voilà, donc l'amendement vous propose de supprimer l'article. Monsieur, alors, des amendements identiques. Le 119, monsieur Mignola, n'est pas là. Il est défendu. Madame Rabault, il est défendu. Bah, il ne peut pas être défendu. Il est seul. Madame Rabault, il est défendu, je pense. Et le 177, monsieur le rapporteur. Il est identique. C'est effectivement la suppression de cette disposition adoptée au Sénat. Bon, bah, tout le monde est d'accord, en fait. Je le crains. Je n'en reviens pas. Bien, donc il est pour l'adoption de cet ensemble d'amendements. Donc ils sont adoptés.